cordialement envoyé. Ah, coucou, coucou, les petits copains, les petites copines, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, car je vais vous expliquer en vidéo, avec quelques mises en situation, ce qu'il ne faut pas faire avec un ordinateur portable. Bah oui, ces machines-là de technologie, ça coûte quand même cher, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Donc je vais vous présenter 6 petites règles, 5-6 petites règles à bien respecter pour conserver un PC portable en pleine forme. Alors on y va, les petits copains et copines, on lance le générique et c'est parti. Voici les petits copains, les petites copines. Donc c'est parti pour ces règles de savoir-vivre avec un ordinateur portable. Alors, règle numéro 1, ne pas croire que tous les écouteurs sont Bluetooth. Allez, règle numéro 1, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Wow, elle est géniale cette chanson, j'adore. Wow, je vais passer à la suivante. Wow, elle est encore mieux. Ouais. Ah, ça sonne. J'arrive, j'arrive tout de suite. Non, on fait ça. Règle numéro 2, garder une distance raisonnable quand on joue à la Wii. Vas-y Mario, vas-y, saute. Oui, oui, c'est ça. Là-bas. Et cette règle numéro 2 est à peu près valable pour tout. Tiens, tu veux le sel? Quoi? Tu veux la poêle? Tiens, la poêle! Du PQ? Ouais, bien sûr, du PQ, tiens! Tiens, tu veux l'arrosoir? Règle numéro 3, les petits copains, les petites copines, toujours éloigner son PC portable d'une source de liquide qui pourrait être renversée. Mais c'est ce que je disais l'autre fois! Il est venu, il est arrivé comme... Non, mon PC. F-I-N, fin. Et j'ai terminé ce document Word de 7854 pages. J'ai bien mérité un petit café. Ah, c'est chaud! Mon fichier. Règle numéro 5, les petits copains, les petites copines, ne jamais jouer au slime à côté de son ordinateur. Ah, j'adore le slime, il est dégueu ce slime. Merci Ellie de m'avoir prêté ton slime. Regarde ça, on dirait une grosse langue rose. Je sais pas trop ce qu'on dirait. T'en veux un bout? Ah, c'est dégoûtant. Regardez-moi ça, les petits copains, les petites copines. Il y avait des têtes de mort. Il y avait des têtes de mort. Attends, on va voir jusqu'où il peut aller ce slime. Regarde. Très haut. Tu penses qu'il peut aller très très haut? Alors attends, oui, touche-le pas. Touche-le pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh non! Mes touches de clavier! Mes touches de clavier! Règle numéro 6, les petits copains, les petites copines, ne pas être trop tête en l'air, comme c'est le cas pour moi. C'est parti. Allez, c'est parti! Allez, confortablement assis dans sa voiture, c'est parti! J'y vais. En route, cette voiture, voilà. Hein? C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'était que ça? Je fais une marche arrière, je vais voir ce que c'est.
Oh, j'ai un très 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 mauvais pressentiment. Mon PC. Et voilà les petits copains, les petites copines, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait un petit peu rire. Il nous manque trop notre ordinateur. Ouais, notre ordinateur, il est explosé, vous avez vu. Alors les petits copains, les copines, rassurez-vous, cet ordinateur était déjà cassé à la base. Il était bon pour la benne, on n'a pas cassé un ordinateur exprès, hein, surtout pas. Il faut en prendre soin des ordinateurs, ça coûte tellement cher. Alors, oui ma puce. Et regardez. Qu'est-ce qui... Oui, alors voilà, voilà. On a récupéré la carcasse, donc regardez un petit peu l'ordinateur, dans quel état il est. Vous avez vu, on a échappé de l'eau dessus, du café, on l'a maltraité, on y a roulé dessus pour finir. Bref, cet ordinateur a subi les derniers outrages. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Ben oui, il manque des trucs, hein. On va le finir, on va le balancer. Donc les petits copains et copines, si vous ne voulez pas que votre ordinateur finisse dans le même état, eh ben suivez bien mes conseils. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait nous ma puce? On va le jeter à la déchetterie? Je veux enlever toutes les touches qu'il y a dessus. Tu veux enlever toutes les touches? Eh ben allez, on va s'amuser à enlever toutes les touches. Les petits copains et copines, likez, partagez, commentez. Et puis surtout, abonnez-vous. Bon, Ellie est en train de dépiauter là, vous voyez pas, mais regardez. Voilà, Ellie est en train d'arracher les touches. L'écran est complètement fissuré, hein. Il n'a pas résisté au scénic. Allez, on fait sur quoi? Mouillé. Il est tout mouillé en plus, oui, il a de l'eau, il a du café. Sur quoi on se laisse? La batterie? Non. Sur quoi? Sur ça. Le sopalin? Les petits copains de copines, on se laisse sur du sopalin. Abonnez-vous et soyez sages, hein.